Bonjour, bon, j'étais en train de me promener un peu partout dans l'hôtel et je me suis aventuré vers la lagune, là où il y a les mangroves, etc. Et regardez ce que j'aperçois, une famille de singes. Tout d'abord à gauche, la mer qui toilette son petit. À droite, le graphite, mais bon, je dirais que c'est le père qui monte la garde. Voilà, dans la partie qui mène direct au bras de mer. Je pense que dans la journée, c'est tellement fort à du conneries. Un de mes soirs préférés. Mais vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. L'eau est calme. Bon, il n'y a pas encore soleil. Je pense que voilà, il a plu une bonne partie de la nuit. Et ça risque de recommencer vu que cette partie du Sénégal apparemment est plus beaucoup. Mais vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Le cadre idéal pour se vider la tête. Voici la salle de sport de l'hôtel. On va se faire plaisir. Regardez-moi mes jeux de ping-pong. Et ce banda. Le book, mon adversaire. Bon, on se fait une petite partie de pétanque. Le cochonnet est là. Ça rappelle ta voix, il est bibi. Les choses ne sont pas passées comme prévu. Là, c'est à couper au montage. Bon, là, on va faire une petite course avec Mohamed. Il est le plus jeune dynamique et je reviens d'une blessure à la cheville. Les gars m'ont croisé, vous connaissez. Ah, gars, écoute. C'est quoi ton premier ressenti? Ça va ramer. Ça va ramer. Ramé à tenir le téléphone. Allez, bye bye. Et sur ce delta du Saloum, nous avons que quatre types de mangroves. Celui que vous voyez depuis le début de l'excursion, et d'ailleurs c'est le mangrove, et c'est le type de mangrove le plus fréquent sur le delta. Et comme type, ça s'appelle le rhizophora. Rhizophora, mais quand nous serons à l'île au coquillage pendant la visite, donc je vous montrerai les trois autres types qui se trouvent sur l'île au coquillage, tels que le Goncularia gasemosa, le Conocarpus erectus, et le quatrième type, c'est la Vicega. Donc à l'intérieur de cette mangrove vivent des animaux tels que les petits singes vervés, là, parfois vous les avez même jusqu'à l'hôtel. Mais bon, vous avez l'animal aussi qu'on appelle le mangouste ou bien la loutre. La loutre et le mangouste, c'est de la famille des chats, mais souvent ça vit dans la mangrove. Mais aussi, comme c'est une région où vivent beaucoup d'hyènes, donc il y a l'hyène aussi qui... C'est ça une propagule et s'ignorer membre des wadal bopam si ndokh bi suko inde ba ci tefes bi donc les nouvelles pousses que vous avez là c'est à partir de ces propagules. Okay. Et si vous avez aussi la mémoire d'homme, je vous parlais de quatre types de mangroves hein. Bi lañ doon gis depuis le début excursion donc su ngeen xolé feuilles mangroves bi avec feuilles mangroves, vous n'allez pas me dire que c'est la même chose. Vous n'avez pas les boubas. Donc, il y a rhizophora, il y a avicennia. Vous n'avez pas les nyar hobby, vous n'avez pas les égales à ceux qui sont là derrière. Donc, et nous voilà arrivés là sur l'île au coquillage, une île qui est vraiment très ancienne. Apparemment, tous les coquillages qu'on voit par terre, ça n'a pas été apporté par la nature, mais par l'homme. Chaque fois que les gens mangent, que ça a commencé. Et c'est pour ça que c'est vraiment une
magnifique et qui représente beaucoup pour les populations ici. Et apparemment, ça a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Là, nous sommes sur le point culminant de l'île. Les gens sont en train de prendre des photos. C'est le point le plus haut, ça fait 12 mètres d'hauteur. Alors, la pulpe séchée du fruit appelé pain de singe, il a un goût acidulé assez agréable. Donc le pain de singe, aujourd'hui, vous pouvez aussi l'appeler la touriste. Très très efficace contre le rhume de derrière, pour ne pas dire la diarrhée. J'ai de bouille. C'est une île, c'est entouré d'eau. Par contre, si on choisit une fille à côté ou bien plus loin, et tantôt je vous parlais d'animaux qui vivent dans la mangrove, par exemple, animaux gounibo et mangouste ou bien l'outre, c'est comme le chamé sauvage, ça vit dans la mangrove. Donc, si on choisit où vivent ces animaux prédateurs, maintenant ils capturent les clans. Mais comme animaux, ils ont une feuille. Traverser la nage pour venir les manger ici, donc ils se sentent mieux en sécurité ici contre les prédateurs. Non, fille, pas de prédateurs. Mon taha, petit loup, sorry, bon, on est bon, c'est au fil de la. Ah oui? T'es sûr? Mais ici, ce n'est pas des oiseaux qui manquent. Sont dans le parc de Fadala. Vous voyez à partir de là les tortues. Il y a des crocodiles. Ça, ce sont les animaux qui sont à l'entrée. Bonjour tout le monde, nous sommes dans le parc de Fadala. C'est un parc qui appartient à les Sud-Africains. Et c'est là qu'on peut faire la marche avec les lions. Donc c'est disponible à partir de 6 ans pour marcher avec les lions. Et faire plus d'1,50 m pour marcher avec les lions. Donc là, on est en train de se préparer pour prendre le matériel pour y aller. Donc on va voir la suite. D'accord. C'est des lions des Sud-Africains, mais ils sont arrivés ici là, je crois, moi, petite bébé. D'accord. Au début, c'est moi qui nourris les lions ici avec des vivants. Regarde, les bébés, ils jouent avec moi. Je suis papa des lions. Je suis là avec vous. Don't worry, be happy. Okay. Une chanson magnifique qui signifie que tu vivras ta vie. Bon, là nous allons voir les lions. Apparemment, il y a des mesures à prendre. Ne jamais mettre le bâton derrière, ne jamais se baisser devant les lions et ne pas crier fort, être vraiment très attentionné parce qu'on va marcher avec les lions, ils ne sont pas méchants. Ils ont mangé hier, un âne chacun. Donc, en principe, ça va bien se passer. On se retrouve pour la suite. Parce qu'ici, ils vont bien nourrir, bien soigner. Il y a des vétérinaires et tout. Yeah. They're big beaucoup here de, because they have good aussi. Food. And... Ici, 12 hectares, que les lions, pas des animaux. Only lions. Que les lions. Que les lions. No other animals non here. Animals. Just lions. Okay. And what's that sound? Come. Come on. You have nice yum yum here. That's right. You're talking about him, right? Nah. You see the vultures. Yeah. Oh, vultures. The rest of the food for the lion. Yeah. Scavengers. Yeah. Let's go. La porte de la mort. In front of you, you're sick. Yeah.
Je ne sais pas si les gens qui ont senti. Je n'ai pas peur. Come on, seriously. Are they brother and sister? No. Oh. Yeah, husband and. Comme vous le voyez, là nous sommes dans le parc. Il n'y a aucune protection. Laisse-moi souligner. C'est bon, les gars. Maintenant, on y va prendre des photos chacun son tour. On représente le Sénégal. Et ils sont vraiment magnifiques. Regarde. Ça, c'est une expérience inédite. Je pensais que je n'en avais pas à voir quoi, mais voilà, ça me ferait de la quoi, franchement. C'est Rousseli. Go in the mid. Yep. Cherche la concurrence comme bébé. À propos de l'essence comme bébé, son kaki dans le crâne, cerveau comme bébé. Tout seul, devant le mic. Quand je rappe en direct, je me multiplie. Un coup plus sur le multipiste. Je suis connecté comme une multiprise. Bon, on est enfin rentré et toujours en vie du mouvement. C'était une expérience magnifique de marcher avec les lions, all together, c'est magnifique. Et enfin, je suis encore sur le choc. Bon, les animaux qu'on a à l'intérieur vivent vraiment à la terre sauvage. Ça veut dire pour les voir, on les cherche. À l'intérieur, on peut faire 70 km de piste, mais la carte, elle est déjà là, on ne va jamais se faire. Bon, maintenant, les animaux qu'on a à l'intérieur, il y a 4 sortes d'antilopes. Il y a la girafe, il y a des zèbres, il y a 33 espèces de serpents et 3 espèces de singes. Il y a aussi la girafe, un seul rhinocéros blanc et des buffles de la savane. Bon, maintenant les animaux, on va essayer de les laisser à l'état sauvage. Quand on les voit, la voiture va s'arrêter. Si vous avez des questions, soyez allez. Le nom scientifique, c'est Camelogirafa pardalis. C'est cause de la que les gens qui peuvent être avec le chameau, mais c'est une même problème avec un animal qu'on appelle le capitaine. Bon, là, nous sommes dans le safari et nous avons là des girafes. Bon, c'est bleu de nuit. Avant, en liberté. Le plus foncé, c'est le mâle, l'autre, c'est la femelle. Et ils sont vraiment magnifiques. Et là, vu qu'ils sont habitués à l'être humain, ils n'ont pas peur de notre voiture. Comment ? La plus grosse en mange. Quelle heure de terre ? Elle mange aussi beaucoup de fruits. Avec les cornes, elle casse la branche pour manger la feuille. Les rues ne sont pas les mêmes. Les singes qui sont. Non, c'est l'eau, c'est l'eau sur l'arbre. C'est l'eau sur l'arbre. Green.